À chaque jour son vélo, à chaque jour sa vérification de la pression. Oh, t'as mis combien cette fois? 6 Mais c'est beaucoup 6. Ah, t'es en chambre à air. Je te rappelle que je fais 30 kilos de plus que ah, toi. Ah, c'est vrai, ouais. Bon, eh ben à moi. Tu mets combien toi? 5. Logistique différente ce matin. On est 4 à descendre en vélo et 1 en voiture. Parce que vu que les orages vont tomber à 14h, il y en a au moins 3 d'entre nous qui savent pas s'ils vont remonter au village en vélo. Bon, il y a les deux malades, là c'est sûr. Non, on n'est pas malade. Non, on se dévoue pour vous. Ouais, bien sûr. On avait assez de voitures. Toi aussi tu vas monter, tu vas remonter ici oui, après. Oui, je remonte en vélo. Nous on sait pas. Non, ouais. Moi je sais. Moi je sais. Moi je ne sais pas encore en fait, on verra. On verra. Allez-y. Il est 8h38, départ dans 7 minutes. On est au taquet, hein. Comme d'habitude, on laisse tout le monde devant, pas de risque. Bon, on est descendu du logement, donc on a fait 15 km de descente. Ça caille. On y va ! Attendez-moi ! Je suis taillé comme quelqu'un qui va vite. Ouais. Vas-y. Profite bien, ciao. C'est parti, il y a du monde partout. Ça double par la gauche pour aller devant, tout ça. Nous, on va y aller tranquillou. Moi, je vais gérer. En tout cas, c'est beau. Hervé est déjà devant, forcément, hein, avec le vélo léger qu'il a. Il a un Aitos Super Light S-Works. Avec les bonnes roues pour grimper, c'est pas notre cas. Damien, il a fait le choix du moitié-moitié. Là. Il a l'Aitos pour grimper, mais il a les roues pour rouler vite. Là, on a les freins à patins. Toujours fidèle au poste. Là, on a Super Loulou. C'est le départ fictif pour le moment. Hein. Pas comme une espèce de tension qui monte quand même. Hein. Allez, ça grimpe. Légèrement, donc je vais ranger ça. Et j'irai mes braquets. Bonhomme. Bien, ça le fait rire. Super, super. Kilomètre 21600 depuis le gîte. Patassade, les montagnes, du véhicule neuf. Il y a du monde. Et il y a du monde. Il y a du monde partout. Je crois qu'on est 700 à peu près. Le bagage et tout, quoi. C'est notre école. Et il est probable que ce monsieur monte plus vite que moi avec son vélo et porte bagage. Comme ça, hein. Quand on attaque les choses sérieuses, on fait quelques mètres. Bon, ben on va se mettre en en mode tranquillou. C'est ça la tête d'oreille? Aucune idée. Ça doit être ça. Comment tu t'appelles? Stéphane. Je t'ai envoyé un message, mais... Ah oui, mais j'en sens tellement... Ouais, j'ai pas le temps de répondre à tout, j'oublie en plus parfois. Désolé. Je te suis, c'est bien. Ok, c'est cool. Oh. Ma chérie est fan aussi. Ok. Tu viens d'où comme ça? Uzès. Ok. J'ai fait le Ventoux la semaine dernière. Ah oui, t'es habitué de me... aux grimpettes. Ouais. Moi, moyen. Mais je vais à mon rythme. Pareil. Bon allez, je range ça parce que ça me complique la tâche. Vas-y. A plus, tiens. Vas-y, a plus. Il
La Fusine. C'est terminé, me dit-il. La première en tout cas. Bonne journée. Fait un numéro devant, je vous raconte pas. Allez, ça va trop vite. C'est le même celui-là. Comment dire? Eh les gars, comment dire? Ça va monter à un moment donné, j'aurai plus de jambes. Comme le salaud. C'est fait exprès. Là, hein. C'est une montée. Allez, hop. Bon, début d'une ascension, 10 km. Fais main fixée là, vouloir y suivre. Je vais reprendre ma respiration, tranquille. Parce que là, rouler à 45 à l'heure, les falas veulent ma mort.
Ouais, je range ça pour respirer. À là-haut. Merci beaucoup. Ça, c'est le service médical qui est venu me demander si tout allait bien. C'est super rassurant. Alors évidemment, je les ai rassurés, ça va. Je gère au cardio, tout va bien. Ouais, je continue ma grimpette. Merci les enfants. Par le fait de sortir la caméra, tout ça, c'est pas grave. Bon, monsieur Palissy dans la montée, mon dieu. C'est quoi ton prénom? Quentin. Ça va, Quentin? Bah écoute, super, et toi t'as l'air frais comme un gardon. Je gère, on va dire que je gère. Il survit le bonheur. Ouais, je regarde le cardio, la puissance, je fais pas le foufou, donc tout va bien. Bah ça va, ouais. Tu viens d'où comme ça? Je viens de Paris. Eh oui, je me disais bien, ton maillot là, ça me disait quelque chose. Du coup, ouais. Ah ouais, c'est quoi, c'est les riders sous silo là? La gravelle hier? Ouais, j'ai fait la gravelle, ouais. Ah ouais, tu cumules. Ouais, je cumule. On verra bien dans 10-15 km comment ça se passe. Donc là, c'est le décrassage. Oh, vraiment? Je crois pas, non. Bon, je vais ranger, je te parle, je suis en train de monter mon cardio. Quel con. Allez, on passe. Sommet dans 5 km. La pancarte me parle. Ne lâche rien. Bon, j'ai croisé toute la famille d'Arnaud hier, qui organise, et, qui organise un peu le challenge. Voilà, et il m'attend là. Il est taillé comme un grimpeur, regarde. Précieuse apparence. Ouais. Ouais, donc je disais, moi j'ai fait le challenge hier, ouais, je suis un peu dans l'expectative. Là j'attends, j'essaie de le contrôler. D'ailleurs je vais pas trop parler parce que ça me fait monter le cardio. Donc voilà, je suis ravi de te rencontrer parce que t'as fait bien parler de toi hier. Ah ben et c'est rigolo, voilà. Grand fan de tes vidéos. Merci beaucoup. Bon, allez nous. Je vais me reconcentrer. A plus tard. A plus tard. A plus tard. Il y a du monde partout. Ça déborde. Voiture en face. Vas-y. Voilà. Ça va et toi? Très bien. Allez, où je rentre? Quand même. Ouais. On vient de se faire une petite partie à 10-11%, ça change le coup de pédale. Petit replat, j'en profite pour sortir la caméra. Et le prétexte pour respirer un peu. Évidemment. Bon, petit virage, ça va remonter, c'est sûr. Il reste encore 3 km, je dirais. Allez, en route. Bonjour. Ah, tu les obliges à faire un... Ah, j'ai du mal. Ah, check. Ah ouais, mais il leur fait faire des kilomètres en plus. Ah, c'est le check le plus compliqué de ma vie. Ah, c'est trop rigolo, ça. Allez, Zou. Il y a du public. Un public en folie. Ouais. Merci. Voilà, je fais le con et puis
On est dans le rouge, je te jure. Regardez-moi tous ces cyclistes là-bas au loin. 1350 mètres. 1 km le sommet. On arrive. Merci jeune homme. Ah. Merci. Ouais, on y est. Première grosse montée de 10 km, j'essaie de gérer pour pas trop dépasser les 160 pulses cardiaques, pour avoir de la marge. Manger un peu de sucre, boire un peu d'eau, remplir le bidon et c'est reparti. Ouais, c'est un bon programme. C'est la base. C'est que le début, hein. Bon. Bon ben ça va grimper, donc montée de 12 km là, donc je vais y aller tranquillou. Yeeha ! Ça résonne bien. Allez, change de braquet. Ah ça calme sa mère. Ah les cuisses là, elles aiment pas moi. Le temps de se remettre dedans. Ouais, faut se donner le temps de respirer en fait. Premier kilomètre du télégraphe et je discute mode. Comment tu t'appelles ? Katia, enchantée. On discute mode avec Katia, on parle des coloris qu'a fait du cycliste. C'est rigolo. C'est une marque que j'aime beaucoup. Pas en pulsar, mais en t-shirt. En t-shirt, oui, c'est joli, ouais. Et en vêtements de ville, j'aime ouais, bien. Ouais, pareil. Très très bien. Bon, allez. Beau design. C'est gentil pour eux. Bon, je vais ranger parce que l'air de rien... Ça fatigue. Ça fatigue, exactement, tu as tout compris. Allez-y. Oh, je gère. Hervé nous fait un striptease. Ouais. Tu es beau. Ouais, super, mais beau aussi beaucoup. Merci. J'ai de gérer pour pas dépasser les 160 pulses cardiaques. Mon niveau des watts, difficile d'être en dessous des 180, 190. Hein. Je suis à la limite du braquet là. Bon appétit! Merci beaucoup. Bon appétit! Merci. 7 km avant le sommet. C'est Hervé qui remonte. Il est dans mon groupe, donc il s'arrête, il fait des photos, il nous encourage, il remonte. Ah ouais, qu'est-ce que je fais ici ? Comme ça, hein. Non, non. Lui, Hervé ? Ah, moi, non, non. Voilà, moi, j'habite dans une région plate, il n'y a pas de Monzée chez moi. C'est la troisième fois que je viens grimper dans ma vie.
J'habite Orléans, donc le Loiret, il n'y a pas plus plat. Et toi, tu viens d'où? D'accord. Ouais. Hey. Hey, Loulou. Ah. Ah, super Seb. Hein? Qu'est-ce que tu fais là? Bah écoute, je monte à mon rythme. Merci! Sommet 1 km. Vivement. Bientôt au sommet du télégraphe. Pic. Magnifique en bas. Ravito 200 mètres. Ouais, bravo, la fête. Il y en a un qui a l'air en forme. Je suis pas mal, je profite. Bon bah on entame la descente, on va descendre ce qu'on a monté. On est complètement con. Là où on va. Envie d'y aller. Et là c'est parti. Kilomètre 75. 18 km. Ouais. 1,8. J'ai plus de jambes. Alors je mets une stratégie au point, hein. J'ai décidé de partir tranquillou sur les 18 km, donc au moins la première moitié pour faire redescendre le cœur, pour pas qu'il soit dans le dur, consommer très peu de watts, histoire de pas me faire mal aux cuisses, et puis on verra bien. Ne pas s'affoler. Une visite d'un Orléanais. Tu vas bien? Tu es déjà monté toi? Ah ouais. Bah oui. Il fera les turiadas sur le commentaire. Ok. On partra à 3h02 pour faire le coup. Ah bah pas moi hein. On a mis une heure pour aller en haut de Beauplan. Putain, tu roules comme un malade. Ah non. Par contre ils sont tarés dans les descentes. Ah ils font pas gaffe. Ah moi j'ai eu une attaque dans la deuxième descente, j'ai perdu une mine. Ouais. Sois prudent. Bon allez, je range parce que ça me fatigue encore plus ça. Bon, Damien. Ah ouais. Allez, je vais aller voir. Vas-y. Eh hey, garde du jus pour après. Ouais, je vais garder du jus, t'inquiète. Quel phénomène celui-là. Kilomètre 78-200, il y a un petit replat. Ça fait du bien. Ne pas se laisser griser. Ne pas s'emballer. C'est rigolo parce que on est tellement dans le dur que quand tu arrives à une portion à 4%, tu as l'impression que ça descend en fait. Donc tu dis oh, je vais me mettre en roue libre, mais en fait le vélo il ralentit. Et c'est là que tu te rends compte que t'es pas en descente, t'es toujours en montée. C'est fou quoi. Bah voilà. Ah bah on est bien là. Au bon moment. Ouais, faut pas trop traîner parce qu'il commence à faire un peu frais. Et là-haut, c'est tout noir. C'est où qu'on va, en fait, là-haut? En fait, on va tourner là. Là, on va prendre par là.
J'entends rien en fait si tu parles à la montagne. Tourne, c'est là. C'est... Ah, c'est là-haut. Ah mon dieu, je ne veux pas aller là. Mais quelle mauvaise idée. Allez, c'est reparti, kilomètre 84, 760, les derniers 8 km les plus durs. J'ai remis les manchettes, parce que c'est frisqué. C'est froid là, putain. Il reste 4 km mais là il commence à pleuvoir, moi je mets l'impair et on va voir ce que ça donne. Hein. Le soleil caille, il pleut, la descente va être mouillée. Prudence. Qu'est-ce qui se passe? On arrête? Il y a des galons et okay. Des vents violents. On va pas prendre de risques. Vous avez raison. Alors, si t'as un sac et que tu veux qu'on te descende ici, non, c'est ou autrement, tu dis ça à Saint-Michel, tu te mets au chaud, et puis on arrive. Et puis, Mais par contre, pareil, c'est bon, c'est comme si vous avez... Ah oui, moi, vous n'êtes même pas trop borne. Hein. Je n'ai aucun problème là-dessus, moi-même. On monte plus parce que là-haut, grêlons, trop de froid, trop de pluie. Voilà, donc on va redescendre, c'est pas plus mal. Bon allez, mets les gants contre la pluie et puis on descend. Bon messieurs, on arrête ici. Désolé. Bon. Et les grêlons. Bon, je pense que je serai incapable de sortir la GoPro de la poche. Donc là, il va plus avoir d'image. J'ai mis les gants anti-pluie et c'est descente prudente jusqu'en bas. À plus tard. J'ai plus de batterie. C'est froid. Je suis pas le seul à avoir peur. C'était la descente la plus terrifiante de toute mon existence. Ah putain, j'ai plus de main, j'ai plus rien quoi. Alors moi j'ai des gants, on est tous frigorifiés, mais alors Loulou lui, c'est genre rien à battre. C'est un gars du bâtiment quoi. Ah putain la vache. Vas-y, filme la théorie de Loulou sur les gants. C'est quoi ta théorie sur les gants? Eh ben les gants, une fois qu'ils sont mouillés, ils sont froids et on est toujours froid. Mais ça se tient en fait. Non sans déconner, il reste 4 km de montée. Oui. Oh putain. La voiture de Loulou, elle est où la voiture de Loulou? Tout en bas. Elle est où? Tout en bas. Si je me mets là, le loup il vient me chercher. Voilà, on y va. C'est parti. Ah, il y a eu la lumière sur la roche là-bas, c'était beau. 119 km, 350 au compteur. Je sors la GoPro du sac, pas celle du cintre, j'ai plus de batterie sur le cintre. Donc je vais filmer l'arrivée à la main. Et ben voilà, c'est fait, pas mécontent. Moi c'est du jus un petit peu quand même, l'air de rien. J'avais tellement peur et là je commençais à prendre confiance dans la descente. Il ne faut pas que je vienne en stage ici. Hein. Vous garez les vélos, c'est là-bas, c'est là-bas. Mettez-vous de l'autre côté. Parfait. Comme ça on va pouvoir accrocher. Allons garer les vélos. Manger. Moi je veux bien la soupe, je veux bien tout ce que vous avez. Il y a même des saucisses. Il pleut. Moi je crois que je vais rentrer en voiture. Mais il y a Ping et il y a Pong.
ils vont rentrer en vélo. Non, non, c'est 15 bornes, c'est que de la montée en fait, c'est quasiment c'est le col du Télégraphe. C'est plus long que le Télégraphe, non, 15 bornes, c'est 1h30, 1h45, j'ai pas le courage. Après avoir bien mangé comme ça, un bon repas, je vais rentrer avec les deux autres. Je vais rentrer avec Loulou. Regardez, ils sont bons, ils vont partir. Ils sont taqués, 15 bandes de montée, ils sont fous. Non, mais il y a 17 là. 17 ? Oui. Nous, on est à la voiture. On va les croiser, on va les narguer, on va les doubler. Bah alors, il est où, Damien ? Ah, une pâte de fruits, c'est reparti. Ah, on fait quoi ? On le fait demain ? Attention, attention. Tu veux qu'on prenne quelque chose ? Jette. Vas-y, vas-y, pas tomber. Allez, jette. J'ai des gels, tu veux pas des gels, non ? Des gels ? Tu vas manger ? C'est bon, non mais... T'as une voiture derrière. Allez, vas-y. Attends. Il va attendre. Allez, champion. Allez, on est bon. Allez, c'est parti. Allez, bouffe-le, là. Il a une minute derrière. Ça va le faire, bonhomme. Ça va le faire. Ça va, tu veux te débarrasser d'affaires ou ça va ? Ok, à tout à l'heure.